Salut à tous, c'est Infinity sur une nouvelle série vidéo sur les hauts faits des 10 ans de StarCraft 2 avec un an de retard, bien sûr, parce que problème, etc. Machin, comme vous le savez sur la vidéo précédente. Bref, donc nous sommes de retour sur la chaîne, bien plus actif. Et on va partir du coup en mode normal, terminer tous les hauts faits, pardon, j'y arrivais, des 10 ans de SC2, ça va permettre un peu de renouer avec la campagne, etc. Parce que j'ai prévu quelques petits défis sympathiques, on verra si j'arriverai à les réaliser. Même si je pense que la plupart d'entre vous devraient connaître ces défis. Bon, bref, c'est parti pour la première mission. On passe à la cinématique, on connaît le jeu. On connaît tout. On sait tout. Tout. Bref. Mais. Non. Donc la première mission, la libération, comme vous le savez, la mission avec Raynor, les petites troupettes de marine, tout ça, c'est la mission. Le haut fait, c'est qu'il faut. Je vais y arriver. Qu'il faut détruire tous les holotribunes, donc les 6, en moins de 3 minutes. Ça. Donc là, on fait un petit à-clic des familles, on laisse Raynor devant. Gardez-vous distance, aux yeux ouverts et vos miches à couvert. Ne prenez pas cette route. On peut y aller. Si tu veux compter sur, parle-moi. Donc là, on va laisser un Marines derrière. La gueule de Mens commence vraiment à me fatiguer. Éclatez-moi ça. Où est-ce qu'ils sont tous? On peut y aller. Donc là, pas de folie. Vraiment pas de folie ici. Donc je finirai quand même les missions parce que je vais avancer dans la campagne, donc voilà. En mode new campaign comme vous avez vu. Donc là on arrive sur les dernières holotribunes. Ça va aller beaucoup plus vite. Enfin les dernières. Voilà, il en reste 3, on est à la moitié du temps. Tu peux compter sur moi. C'est tout bon. Les 3 Marines Solo Life, ils vont s'occuper de ça. Voilà, rien de bien compliqué. Regardez, on a un peu d'avance. Voilà, vite fait, bien fait, le haut fait est terminé. Mais bon, on va en finir la mission tranquillement. Et puis, ça sera terminé. On commence la série comme ça, sur une mission courte. Bon, comme vous le savez, hein, toujours un peu court les premières vidéos de série. Mais après, bon, comme ça, on s'embrouille pas à sortir une vidéo avec 4 missions, paf. Non, là c'est clair, concis, on sait, on a la méthode, on a le temps, 2 minutes 54 pour finir la mission, donc en moins de 3 minutes on finit la mission, mais en 2 minutes 20, je crois, 2 minutes 25, on termine les 3 holotribunes. Alors oui, il y a moyen d'aller plus vite, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moyen d'aller plus vite, on peut faire du split, etc. Là j'ai juste fait, bon, le petit marine, les 3 petits marines, hop, sur le côté à gauche, pour faire une holotribune supplémentaire. Le petit marine au début sur le premier holotribune, juste question de dire, gratter un petit peu de temps, c'est du split, entre guillemets, assez facile à faire. Si vous êtes fan de F2, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, en tout cas, si vous êtes plus dans enfin, cette petite micro-gestion rapide à faire, le haut fait n'est pas compliqué à faire. On est en mode normal. Comme vous le savez, la plupart de mes vidéos, c'est pas des challenges pour l'instant. Parce que, oui, j'ai prévu de faire des challenges plus tard. Donc, on fait tout dans la difficulté classique pour que les gens puissent se retrouver, faire ça de manière le plus simple possible, plus... aisément possible, etc. Après, on s'amusera peut-être plus tard à faire des trucs, mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur la campagne de Wings of Liberty, les hauts faits de 10 ans de SC2. Salut, salut!